Bien. Merde, là. Une tendeur, je ne voudrais pas le lâcher. Oui, t'es une fois, une fois, t'es en train de pousser. On se rend pas compte de la vie. On est toujours sur scène, on sort jamais. Comme d'habitude, Virginie, tout le monde est à poil. Quoi. Ouais! Attends. Bon, non, que je tourne pas, on va pas pouvoir tourner. Je pense qu'il faut leur reculer un peu. Non, je suis regarde. Non, mais avant. Ouais. Bah non, je trouve que c'est mieux. Je trouve que c'est mieux. Elle a dit que c'était toi qui avais raison. Pour une fois. Oui, c'est ça, c'est la chose, c'est la seule. Je te commence le matin comme ça. Ouais, et puis à la fin de la journée. Enfin, en même temps, ça compense, ça t'a fait bosser hier en France. Hein. Je suis un espion au plateau. Bonjour, là. Il est en retard. Un petit peu. Tu vas encore me filmer longtemps pour dire que je suis en retard. Ouais, construit. Non, pas ça, parce qu'il ne doit pas être. Il va pouvoir être là derrière. Alors, par contre, quand il y a de la musique dans les branches. Ce serait notre fond du coup. D'accord. Wow! Il faut que je me mette mes lunettes parce que je vais arriver. On les chauffait en les tenant comme ça. Ouais! Ah, c'est trop noir! Ouais, le premier, celui-là. Un peu plus vers le lointain, non ? J'en ai bien un autre là, du coup, tu vois. Ça va faire carré ton truc. Les arbres, ça va pas froid. Ça va en hiver, en fait, c'est bien froid. Vous pouvez vous cacher, tu comprends. On a tout amené, des arbres, là ? Ouais. Non, je t'aime pas ! Je te prendrai au mot. Tu m'aimes vraiment. Il y en a un ici. Voilà, c'est pour sortir mon nom. Celui-là. Proclame-le d'un cœur sincère. Ouais. Oh, gentil. Oui, c'est ça, là, ouais. Tu m'aimes. Merde. Tu m'aimes comme ça. Et je... Il est comment en bas? Il est pas mal, là? Là, je le tiens un peu. Je te le laisse. Ouais, c'est bien. Ça? Ça? C'est pas grave, on va bouger le pied. D'accord. Je filme pas avant que c'est un chou. Incroyable, franchement. Mais ça fait vivant. Quelqu'un a vu mon. On n'est pas obligé de jouer. On les laisse. Non. Non mais là-bas, par là. Alors, d'abord une petite chose par rapport au visuel. J'ai réfléchi puis j'y ai rentré, donc c'est quand même plus facile. Et puis les mains étaient dans la main. Elle fait comme ça une rafale de série où elle passait en courant avec la robe rouge sur elle ou jaune, je ne sais plus. Et on avait une fauteuil rouge et la robe bleue de. Donc elle passait et la photo était finalement très belle. Il y avait la chaise, vous vous rappelez de l'affiche, le fauteuil rouge, la robe bleue bien dessinée sur le fauteuil rouge et une silhouette qui passait en robe jaune derrière. On ne voit pas qui c'est. Pour remettre les choses dans le contexte, il faut préciser que... Je suis d'accord avec toi. Pour remettre les choses dans le contexte. Oui, moi je ne savais pas ce que tu allais faire. Là, t'as voté pour toi. Du coup, Virginie, tu veux qu'on fasse un résumé de ce qu'on s'est dit samedi et... okay. Merci beaucoup, Gilles. Merci. Après toutes les paroles entrecoupées. Un résumé de rien, hein, de ce qu'il y a dans le après toutes les paroles entrecoupées, tu vas résumer ça aussi. Non. Ok, allez. Vas-y, Lucie, ma toutounoute. Alors, on a dit quoi? Alors, Marine. Et donc, on a dit que le monologue de Pomera. Calling out my name, girl. I can hear you
t'es complètement nu et stone ravagé. Éjaculant des filles. Maxime, est-ce que t'as pour Camille la version papier modifiée du texte? Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est pas la même chose sur le caplan et sur ta version. Non, mais il y a le PDF. Si, c'est ça en fait, il y a le PDF sur le drive. Mais moi j'ai. Avec les coupes, avec les changements. J'ai la PDF. Oh, merde. Drive, oh. PDF. Hey. Hey, ça va? Ouais, tranquille. Moi ça va, je parle avec Léa. Cool. C'est pas parce que la société n'est pas encore aussi prête qu'elle vient à raconter. Mais du coup, pour avant les stop and go, pour voir que du fond, il y a des questions qui sont côtés, stop and go et recotés. On ne verra pas. Le travail de l'acteur qui va incarner cette figure de soi-même, c'est de travailler, de tracer son chemin très concrètement du début à la fin du spectacle, son chemin de lien, de relation interpersonnelle, amoureuse ou amicale ou contradictoire, son chemin de là-dedans émotionnel et son chemin de plaisir d'acteur. Mais la figure elle-même, elle a un tracé, elle a une histoire avec ce groupe, elle a une histoire avec certains éléments du groupe, hein, du groupe figure. Hein, c'est votre groupe, et c'est ça qui fait que vous compreniez bien, et c'est ça qui est jouissif pour nous. Et c'est pour ça que quand vos prénoms apparaissent, on s'éclate, parce que c'est à la fois le groupe que vous êtes, qui est en train de faire le dernier gros projet merveilleux, et c'est super, et à la fois le groupe figure qui existe aussi. Ça peut vous paraître encore un peu abstrait, mais faites confiance à vous. Faites-vous confiance, faites confiance au texte que vous avez choisi, faites confiance maintenant au décor qui va arriver, à l'idée que vous avez, et que c'est toute votre énergie, votre amour, votre désir de jouer cette chose-là, de dire ces mots, qui va être tellement touchante, et ce sera 2h30 de plaisir, et pas 2h30 de chemin de croix. Donc ça vous demande un travail intellectuel d'apprentissage et d'absorption de cette conduite, et je sais le travail que ça demande, et bravo, c'est énorme, mais vous allez y arriver. On a besoin aussi de moments où le plateau, sans être complètement arrêté, figé, solennel, on enlève la solennité des plateaux, on ne pense pas au plateau solennel, tragique, parce que le tragique arrive autrement sur ce plateau, mais on peut être dans cette souplesse-là de continuer à avoir des liens les uns avec les autres, des regards, un rapprochement physique, laisser parler les corps pour raconter quelque chose qui serait d'une sorte de liberté dans les bois la nuit, et donc de souplesse des liens, de souplesse des allers-retours, pas de solennité. Plutôt de la sauvagerie, de la souplesse, plutôt quelque chose d'organique, comme le végétal et l'animal. L'animal n'est jamais solennel, il est tendu, il est endormi, il est à l'écoute, il est le peinard, mais il n'est pas solennel. Mais il est beau, comme vous. Voilà. Non, Leica, c'est marque d'objectif. Mais tout a disparu. Oui, c'est tout. Tout est différent. Ça passe ou ça passe pas? D'accord, tu fais ce que tu veux, donc tu enlèves les trucs domestiques. Mais ce que je veux, c'est que tu fais une adresse à chacun d'eux, donc ça te fait 9 adresses. Et à partir de la 9e adresse, tu pars à la lune, hein, et c'est ta liste un tout petit peu plus ouverte vocalement. Elle n'était pas très précise. Ah, je dis pas, et c'était beau parce que tu étais là. J'aime trop ça. C'est vraiment comme quand on rêve, on est sur les nuages, sur la lune, hein. Qu'est-ce que c'est? Bon appétit, hein. Merci. Woo!
Just the two of us. In the castle in the sky. Just the two of us. Gave her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's alright. Goodbye's too good a word, baby. So I just say fairly well. Could have done better, but I don't mind. You're just kind of wasting my precious time. Don't think twice, it's alright. Memory isn't calling out my name, girl, like you never done before. And then you're just sitting and wonder why, babe. Look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on. Don't think twice, it's alright. Where I'm bound, I can tell. Goodbye's too good a word, babe. So I just say fairly well. I didn't say you treated me unkind. You could have done better, but I'm mine. I know you lied, babe. But like, I never know. En fait, l'idéal aurait été d'avoir des vrais micros chacun, mais c'est pas possible. On va essayer ce cercle. On essaie de se mettre assez proche parce que ça risque d'être projet de plus en fait. Je sais pas comment on fait. Quand on parle, on peut être comme ça. Mais on peut être comme ça aussi. Ouais, et ça va un peu plus loin. Tu l'avais pas laissé là ? Merci. Est-ce que je le ressens encore ? En plus. 2, 3, 4, 5. C'est moi qui ouvre, Laurent, demain ? Mais là, tout change, il y a besoin de changer. Là, c'est mon précis, tout se met. Mais tout est différent, tout est en train de changer tout le temps. Là, tout change, c'est en train de changer. Là, en ce moment précis, tout se décale. Rien n'est plus comme avant, rien n'est plus comme avant, Bastien. Putain,
Rien n'est plus comme avant, rien n'est plus comme avant. Ma peau, moi, ce n'est plus une protection, ce n'est plus un espace protégé, il n'y a plus de frontières. Ma peau se détache, rien que des plaies ouvertes, tout pénètre en moi, tout. Je n'ai plus aucun appui, aucune sécurité, aucune protection. Et toi non plus, Bastien, tu me n'as pas plus d'appui, plus de sécurité, et plus de protection. J'ai peur, j'ai vraiment peur. J'ai peur. Oh bah. J'ai peur. J'ai vraiment peur. T'as du pain sur la planche. J'ai peur. Mais tout est différent. Tout. Mais Aubéry, tout est différent, elle est en train de changer, là, tout le temps. Mais là, tout change, elle est en train de changer, là, en ce moment précis, tout se décale. Rien n'est plus comme avant, rien n'est plus comme avant. Ma peau, moi, ce n'est plus une protection. Tout pénètre en moi, tout. Je n'ai aucun appui, aucune sécurité, aucune protection. Et toi non plus, Jeanne, tu ne m'offres aucun appui, aucune sécurité, aucune protection. Et j'arrive plus à parler, mais parce que j'ai peur, putain. J'ai peur, j'ai vraiment peur. Jeanne, dis quelque chose, je sais pas. Embrasse-moi. Est-ce que tu peux rester là, on va faire une italienne de Kaplan? Comme ça, t'as une sécurité, t'as une base solide, c'est-à-dire qu'on va pendant un certain temps. T'es lourd, t'es chiant, je te jure. Non, arrête ! J'ai mal au dos, j'ai très mal au dos. Pff, t'es pas intéressante, putain. Je rigole. C'était violent, pardon. Pardon. Non. Chinois. Pas du tout, mais alors vraiment pas. D'où vient ce pseudo Instagram? C'est un truc de quoi? Pas le travail, ça nous prépare une belle pagaille. Mais comprenez-moi, c'est inquiétant. Nous vivons des temps décadents. Mais comprenez-moi, le respect se perd dans les usines de mon grand-père. Et on refait dans les poulaillers. Oh non, tu filmes là? Oui. Merde. Non, c'est coupé. C'est une blague. C'est coupé. Tu disais quoi? Tu disais quoi? Non. J'ai coupé. Hein. Tu peux. En fait, j'ai dit Bastien, je t'aime, mais c'était pour la blague. C'est parce que je suis dans le rôle. T'es trop drôle. Divine. Non, je filme pas, c'est coupé. I'm
réparer ma basse parce que dans la housse. Tu fais la maline, hein? Ah, voilà. Non, par contre, je crois que t'as pété mon cœur. La grand montre qui tape la guitare dans le mur à la fin. Bim, bam, boum. T'as mis un grand coup de guitare dans le mur? Merde. C'est comme ça que je... Merci de la jugation. Mais Jeanne aussi. Tu vois, le consentement, c'est important, Marie. Qu'est-ce que vous faites, là? Tu viens avec moi, Étienne. Ah d'accord, en fait, c'est dans l'autre sens. Avec moi, par que je t'emmène. Tout le monde est là? Est-ce que tout le monde peut arriver? Tu vas arriver. Je pense que demain, ça ira bien. Ça a été un cauchemar, pourquoi? Alors, il y a eu des belles choses, mais les belles choses, je sais qu'elles y sont, mais c'est pas compliqué. On est là. Oui, la femme tire un fusil. Elle met en joue la poule. Et la poule s'en fout évidemment parce que c'est une poule. Donc la poule ne comprend pas, ne sait pas, elle n'a pas conscience qu'on veut la tuer. Évidemment. Oui, évidemment parce que c'est une poule. Et alors, la femme a les mains braquées sur son arme, elle met en joue la poule, mais elle ne tire pas. Mais elle ne renonce pas à tirer non plus. Elle suit le moindre mouvement de la poule. On s'attend à tout moment à ce qu'elle explose la poule avec son fusil. Mais elle ne renonce pas à tirer non plus, elle garde son arme braquée sur la poule. Je suis réellement, quel suspense. Pourquoi est-ce que la femme hésite à tuer? Parce que d'un côté, elle doit la tuer, c'est son contrat. En quelque sorte, mais pour les poules. Une tueuse à gage de poule. Une tueuse à gage de poule. Parce que la poule peut sauver le monde. La poule peut sauver le monde. Bon, Judy, Mathilde, est-ce que vous pouvez nous résumer l'ensemble de l'histoire en une ou deux phrases? Parce que si on est obligé de vous arracher chaque élément, on n'est pas bouché. Le gouvernement tente de faire croire qu'une arme de destruction massive se trouve entre les mains d'un groupe terroriste hébergé par un autre pays contre lequel une entrée en guerre se trouve alors justifiée. Mais le gouvernement perd le contrôle de cette arme qui se retrouve entre les mains d'une secte de tueurs anarcho-communistes qui la reprogramme pour qu'elle atteigne une autre cible et provoque un grave conflit mondial. Le seul moyen de désactiver cette arme est une série de codes que les anarcho-nihilistes ont cachés à l'intérieur d'une poule vivante qu'ils ont munie d'un GPS puis perdue dans la nature. Le sort de l'humanité repose alors sur le seul fait de remettre la main sur cette poule. Pendant que le gouvernement multiplie les commandes pour tenter de l'arme. Et toujours anéantir, détruire sa propre capacité, toujours la capacité de contrôler. C'est toujours avancer à travers l'ordure politique, comme l'ordure artistique, toujours avancer à travers l'ordure science. Avancer, au péril! Mais tout en sachant qu'avec toi je suis en sûreté et te raconter ce que j'ai de pire et te donner ce que j'ai de mieux parce que tu ne mérites pas moi. Merde, merde.
ce bruit, cette voix, c'est trop, beaucoup trop. Tout, tout est trop, tu es trop. Je n'ai pas le droit d'être moi quand je suis près de toi. Et quand cette colère, cette haine ne peut-tu supporter ta proximité, ta voix, ta façon de parler, de bouger, de me regarder, tout est si insupportablement répugnant, écœurant, ce dégoût, cette haine qui ne donne envie que de taper, de se débarrasser de toi, de se barrer, je veux me barrer d'ici, vouloir se barrer et ne plus être près de toi, avec toi, être seule, toute seule, moi. D'où ça vient? D'où ça vient? Mais qu'est-ce que c'est? Mais juste, qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. Je ne me comprends pas quand je suis avec toi. Je t'en prie, pardonne-moi. Mais tout est si pénible. Personne ces dernières années n'a essayé de trouver une langue pour ce que je veux dire. Que je ne veux rien sinon être près de toi, mais que je ne le supporte pas. Cette proximité incomparablement belle qui détruit tout, qui dissout toute structure. I'm feeling nice. That sugar is mine. Thank you.
Ça sent le caca ici. Ah oui, oui, ça pue là. Ça pue moi. C'est mon pet de tout à l'heure qui sent maintenant. Son caca. Les pétés, les pétés. Les pétés. C'est drôle, ça. Il y a quelqu'un qui est passé, je pense. Bon, voilà, c'est le dernier jour. On est le 24 juin. On va jouer notre dernier spectacle. La dernière date. Je sais plus parler. J'espère que cette vidéo vous plaît, qu'elle vous fera plaisir. Et ça veut rien dire ce que je dis, je me répète. En tout cas, je crois que j'ai rien à dire en fait. On se voit tout à l'heure et j'espère que quand vous verrez cette vidéo, on se sera éclaté sur scène. Et qu'on a fait une date de fou, encore mieux qu'hier. Et voilà, juste, c'est trop bien de jouer avec vous. Peace. Je filme l'arrivée des stars, l'arrivée des... L'arrivée des comédiens, comédiennes, quoi. Tout le monde s'en fout, je parle. Victoire. Voilà. On nous filme Victoire. L'art est tout, quoi qu'ils en disent. Ce qu'il en est de l'art de l'acteur, une toute petite partie de ce tout, quoi qu'ils en disent aussi, est essentielle parce qu'elle est une des seules voix qui nous parle directement. Ce qui n'est pas l'art n'est rien, quoi qu'ils en disent. Une singerie formelle, oui formelle, voilà bien l'unique et total formalisme, où les hommes repus, la majorité, croient se reconnaître parce qu'elles semblent leur parler. Il est si reposant de faire semblant dans ce monde de faux semblants. Ne soyez pas de ce semblant-là, si c'est possible. Évitez-le, si c'est possible, encore. Soyez, si c'est possible, et chacun à votre rythme, à votre force, celui qui fait le geste non reconnaissable. Soyez la voix inouïe, le corps non repérable en ces temps de fausse sagesse et de vénale ressemblance, et pour l'avenir nous concernant, cette chose si petite, si humble, et d'orgueil lent et long mêlé, d'humanité mêlée, devenez comme vous le pourrez une durée d'exigence. Un seul mouvement, si c'est possible, qui va de chacun à tous, et qui ne s'impatiente pas de la surdité des hommes. Pour juste vous renouer, que vous n'oubliez pas. Tout ça qui fait que ça fonde non seulement votre groupe, mais ma pédagogie au conservatoire de Caen, puisque c'est malgré tout un projet pédagogique, et que je vous accompagne jusqu'au bout avec amour là-dedans, et que l'endroit d'où je parle, c'est cet endroit-là. L'endroit d'où je souhaite que vous parliez jusqu'à demain soir, c'est cet endroit-là. Et après, vous pourrez bien faire ce que vous voulez ailleurs. Voilà. Ça, ce serait la plus belle façon de vous dire au revoir. La simple et sourde violence. Les gars, je pense qu'il faut tenter de saisir tout ça à la fois et lutter contre notre inadmissible désir de renoncement, notre égoïsme, notre complaisance à notre propre histoire, le confort. Donc j'ai une idée de film. Ça pourrait commencer avec une femme seule dans la forêt. Une femme seule dans la forêt ? Oui, la forêt, les arbres. Les clins de la lune à travers les branches. Une femme seule. Avec une poule ! Dans la forêt, avec une poule. Oui, la femme tient un fusil. Elle met en joue la poule, et la poule s'en fout évidemment parce que c'est une poule. Donc elle ne sait pas, elle ne comprend pas, elle n'a pas conscience qu'on veut la tuer. Évidemment. Oui, évidemment, puisque c'est une poule. Et alors la femme.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. C'est nous qui avons dû faire le chargement du décor des C1-CE. Du coup, je vais Une jeune sauvage apparaît. Retour à la restauration. Faites un truc parce que elles sont beaucoup plus intéressantes. Je voulais boire un autre verre en plus. Moi aussi. Parce que j'ai lu la transformation de Kafka. Enfin, je préfère ça. Vous en verrez encore déjà sa métamorphose. T'es si belle, Léa. Waouh. Wow. Ah, vous êtes dégueulasse. Franchement, le sexe. Waouh! C'est un vlog alors qu'on a bu? Ouais! Moi aussi j'ai bu! Moi aussi j'ai bu! Il va mettre ça en story là! Non, c'est dégueulasse! Non, mais le sexe et les gens. Virgile! Oh là là! Pourquoi? Hey, salut! Arrête! Vous allez chialer quand vous allez voir le vlog. Il faut que je te dise quelque chose. Oui, dis-moi. Quelque chose. Je t'aime. Moi aussi, Lucille. Attends, je vais te filmer en train de filmer. Vas-y, filme-moi en train de filmer, Mathilde. Tu veux dire un mot, Bastien? Mot. Mathilde, je t'aime. La femme Corneille, elle est très créative et elle écrit trop bien. Elle a une littérature très belle. Waouh, une Jeanne sauvage passe. Arrête, putain, arrête, arrête, arrête.
C'est ma meuf. C'est ma meuf. Putain, j'arrive pas à filmer. Tu t'es vraiment pris le poteau ? Tu t'es fait mal au ? Je me suis pris là, dans les dents. Dans les dents ? Oui. Ah merde, attends. Je vois pas. Bah non. Ça va mieux ? Vous êtes beau, putain. Beau et pompette. Ouais, toi aussi, t'es beau, mon poteau. Maxime, t'es trop mon poteau. Est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît ? Regarde devant toi, mec, hein, parce que vraiment, j'ai peur. C'est marrant d'avoir juste un bras gauche qui bouge. Tu me fais confiance, je te guide. Ouais. Un peu à gauche, à gauche, gauche, gauche. Ok. Tout droit, tout droit, tout droit. T'es bien, t'es bien, t'es bien, t'es bien. Le vlog va être long, alors je vais couper. Et pour le reste, que vous soyez sérieusement engagé dans quelque chose, pas de pathos, c'est la dernière fois que vous jouez ensemble, pour l'histoire de l'univers, ce sera la dernière fois de votre vie que vous jouez ça ensemble, c'est sûr. Donc pas de pathos à cause de ça, pas de pathos parce qu'après on s'en va. Pas non plus de potache, c'est la dernière fois, donc on peut faire quick, quick, zwick, zwick, mes couilles, mes fesses, pas trop de potache, c'est pas possible. Et gardez bien, cherchez pas à refaire la même chose que la semaine dernière, que hier, cherchez à vous remettre dans les conditions qui vont faire que quelque chose va advenir, et ce qui adviendra, ce sera pas la même chose qu'hier, mais ce sera formidable quand même. Le chemin. Il y a un très beau livre de Fernando Pessoa, Le privilège des chemins. Du chemin. Et dites-vous que ce que vous faites, c'est formidable. C'est pas du tout ce qu'on a fait l'année dernière dans les Electres, c'est pas du tout ce qu'on fera l'année prochaine dans les Gabili, mais c'est formidable, c'est vraiment un très beau travail. Très beau travail. Quand c'est comme hier, je prenais presque pas de notes parce qu'enfin, j'ai même eu un moment une larme à l'œil. C'était pas un truc émouvant, mais c'était que le plateau était tellement beau, d'ailleurs j'ai encore pleuré. C'était tellement exactement ce que j'aime du théâtre. Que vraiment, c'était et c'est pas beaucoup de gens sont capables de le faire et merci de ce que vous voulez dire parce que c'est vous, c'est parce que c'est moi la montagnée de la Boétie. Voilà. Merci, voilà. Donc essayez d'être pas trop mauvais ce soir que j'en ai Non, on part sur de bonne base. Ah bon, je relis parce qu'il y a des nouveaux qui se sont greffés sur notre jeu de mots. Ben oui, je les relis tous. Ben oui. Sinon, c'est vraiment complètement con. Sinon, c'est un jeu de con, en fait. Tendre, ensemble. Ensemble, écoute. Joie, lâcher prise. Concentration, réalité. Repos, écoute. Avancer, quête, habiter. Urgence, espace. Tendu, lâcher prise. Habiter, confiance. Amour, oubli.
Oh, my God.